Bonjour, mon nom est Émilie Albert, je suis professeure auxiliaire à l'Université d'Ottawa à l'École des sciences de l'information. Un bon candidat pour le programme des études en sciences de l'information, c'est quelqu'un qui est capable ou qui serait capable de prendre des concepts assez théoriques et de les traduire en une application concrète. Parce qu'après tout, la gestion de l'information, c'est extrêmement pratique. Et puis, on est là pour aider les utilisateurs à accéder à l'information. L'École des sciences d'information de l'Université d'Ottawa est un environnement extrêmement dynamique. L'équipe est toujours prête à innover, à arriver avec des nouvelles idées, des nouveaux programmes qui sont à l'avant-garde du marché des sciences d'information dans la région de la capitale nationale, mais aussi au Canada et à l'international. Je suis directrice de la recherche et de l'innovation en gestion d'information à Coniva, une entreprise qui spécialise en services conseils pour les compagnies privées ou les entreprises gouvernementales. Dans mon travail, j'ai deux chapeaux. Mon premier chapeau, c'est d'offrir des services conseils à des entreprises qui ont des problèmes en gestion d'information ou des questions et de les assister à trouver des solutions innovantes et puis efficaces pour la gestion d'information. Mon autre chapeau, c'est de faire de la recherche aussi. À Coniva, on est une équipe de chercheurs qui développons une application pour permettre aux organisations d'améliorer la gestion de l'information. J'ai une maîtrise et un doctorat en sciences de l'information. Donc, comme vous voyez, j'en mange depuis des années. Mes études m'ont donné un bon contexte théorique, mais aussi pratique, en tout ce qui a trait à la gestion de l'information, l'organisation, la classification, la préservation. Mais surtout, je pense que les études m'ont aussi donné une confiance quand je vais rencontrer mes clients et que je leur parle de gestion de l'information.